Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la 9ème partie sur le Let's Play de Super Mario 64 sur Nintendo 64. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué le monde du sous-marin de Bowser, on avait même terminé. On avait aussi donc accédé à ce premier étage où on a découvert les nouveaux niveaux. On avait même commencé le niveau qui se trouvait juste ici. Donc le niveau 10, où on a fait la première étoile. Et aujourd'hui, donc on part direction les autres étoiles de ce monde 10. Avec l'étoile numéro 2, combattez le gros moche givré. C'est parti. Alors, pour cette étoile du gros moche givré, le but, c'est déjà de l'atteindre. Ce gros moche givré qui se trouve juste là. J'ai failli... Voilà, et de le combattre et de le foutre à l'eau, tout simplement. Oh mais j'adore quand une étoile se passe sans encombre. Une minute quoi. Allez, cache, on perd pas de temps. Eh ben dis donc, je crois que c'est l'étoile la plus rapide que j'ai faite sur ce jeu, dis donc. Allez, c'est parti donc pour l'étoile numéro 3, dans le glaçon, c'est parti. Alors, pour cette étoile dans le glaçon, bon, on l'avait déjà vu cette étoile, puisqu'en fait, voilà, l'étoile se trouve ici. Et le but, bah, c'est de l'atteindre dans ce glaçon, qui est un espèce de labyrinthe. Tandis que je suis tombé du glaçon, c'est ce que je ne voulais pas faire, merci. Alors, le truc, ça va être d'essayer de sortir de ce glaçon. Voilà, comme ceci. Et de tomber juste en dessous, voilà, puisque c'est là que se trouve mon étoile. Si je mets une minute par étoile, on est bon. Hein. Moi, je vous le dis, les gars. Bah là, j'ai jamais récupéré des étoiles aussi rapidement. Allez, c'est parti pour l'étoile numéro 3. Enfin, 4, du coup. Étoile numéro 4, mais la troisième pour cet épisode. Vrille depuis le lac, c'est parti. Alors, pour ce niveau, ça va se passer au niveau du lac. Donc, pour ce faire, il faut déjà l'atteindre, ce lac. Voilà, qui se trouve juste ici. Et le but pour moi... Hop là, ça va être d'essayer de faire pas ça, loul. Mario, est-ce que tu peux sortir de la glace, s'il te plaît? Parce que là, tu es en train de geler, là. Bon, au pire, tu peux faire ça aussi. Hey, c'est raté, loul. Oh, je rêve. Attendez, il y en a un deuxième ici. Tu peux pas sauter sur lui? Ça m'arrangerait. Bon, au pire, je mourrais gelé, c'est pas grave. Mario, tu peux sortir de là, s'il te plaît? Non, il veut pas. Bon, bah tant pis. C'est un fail. Bon, j'ai récupéré les deux premières étoiles très rapidement, alors bon. On va pas aller trop vite non plus, hein. On va dire ça comme ça. Allez, on y retourne. Brille depuis le lac, c'est parti. Je sais pas pourquoi elle a pas voulu sortir du lac gelé tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, tant pis. On va y retourner de suite. Hop. Ok. Là, attention. Doucement. Doucement, Mario, s'il te plaît. Donc, le but. Et c'est raté encore une fois. Putain, j'y crois pas. Allez, sors de là. Faut que tu sortes de là, là. Voilà, merci. Donc, je recommence. Donc, le but pour moi. Par contre, là, la fleur me gêne, là, parce que j'ai besoin de la fleur. En fait, le truc, si vous avez pas compris, c'est d'atteindre le bout du lac qui se trouve là-bas, grâce à une vrille. Mais là, à mon avis, ça ne va pas le faire. À moins que je saute directement sur lui, mais ça n'a pas marché. Bon, bah, je crois que je suis reparti pour un tour, hein. Ah là 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 là. À moins que les ennemis repopent, peut-être. Attendez, je vais faire vite fait demi-tour. Hop, je vais juste prendre une petite pièce. Et on va essayer d'y retourner. Je crois pas qu'il repop. Non, il a pas repopé. Oh, je l'avais eu en plus. Oh, je rêve, je l'avais eu en plus. Ah, quelle foirade. Par contre,
Il n'y avait pas un arbre où on pouvait popper à côté de lui ou je sais plus. Si, voilà. Vous savez bien qu'il y avait un téléporteur dans le coin. Bon, par contre, ça va pas m'aider, cette affaire. Bon, gros moche, j'ai pas besoin de toi, merci. Est-ce que les ennemis ont repop? Leur pop, dis-moi, rassure-moi. Oh, sors de là, Mario, s'il te plaît. Non, ils ont pas repop. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, on sort du niveau. Et on y retourne. Bon, le problème, c'est que quand on quitte le niveau, on sort carrément du château, du niveau, tout le bazar. Donc, enfin, on n'est pas sorti du château, mais on retourne au rez-de-chaussée. Ah là 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 là. Ben, vous voyez, j'ai fait les deux premières étoiles très vite, mais là, ça y est, je commence à galérer. C'est un truc de fou. Moi, les étoiles, c'est tout ou rien. Bon. On recommence. Ah ouais, sinon si vraiment je me foire, au pire on fera une autre étoile, hein. C'est pas gênant. On en fera une autre. Non mais arrête Mario, s'il te plaît. Est-ce que... Voilà. Merci. Enfin. Voilà, et le truc donc c'est de taper ce bloc là qui contient mon étoile. Parfait. Eh ben dis donc, t'es pas de tourpeau, mais on l'a eu quand même. Allez, c'est parti pour l'étoile numéro 5. Let's go. Étoile numéro 5, la carapace pour pièce rouge. Donc mon étoile pièce rouge, elle va apparaître ici. Mais avant toute chose, il faut récupérer ces pièces rouges. Alors, on en a une. Alors là, vous voyez qu'il y en a dans l'eau. Bon, je vais pas les ramasser ceux-là. Je préfère attendre un petit peu. Hop, voilà la seconde. Ensuite, on va se rater, c'est pas grave. Hop. Alors, le truc, c'est de sauter. Putain, je me suis raté. Oh, c'est pas possible. Sors de là. Voilà. Merci. Non, mais tu vas pas me dire que la fleur elle a l'air coincée là-bas, là. Arrête. Viens là, fleur de flûte. Voilà, viens ici. Parce que je vais avoir besoin de toi à nouveau pour monter. Voilà, merci. Non, mais monte pas, couillon. Loul. Ah, bah là, je suis bien barré, là. Oh, tu peux pas sauter sur lui, s'il te plaît. Parce que je vais crever, là, hein. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que j'ai besoin de repasser là, donc c'est chiant quoi. Est-ce qu'il y a une autre méthode d'ailleurs? J'ai jamais recalculé s'il y a une autre méthode, mais je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il y ait une autre méthode. Non, il n'y a pas d'autre méthode. Oh! Bon bah vas-y, un suicide. Suicide! Oh, je rêve ma parole. Voilà. Suicide. Je rêve. Pourtant, c'est pas un truc compliqué en plus de faire ça, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas dur, hein. Mais là, je m'y prends comme un manche. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on y retourne. Let's go. Alors, nous disions. En voilà une. En voilà deux. Flûte. Remonte. Oh Mario, s'il te plaît. Il remonte. Fais pas ton andouille. Voilà, merci. Donc du coup, on va péter ce bloc là qui fait apparaître une carapace qui risque de bien m'aider, je vous le dis. Donc en voilà 3. En voilà 4. En voilà 5. En voilà 6.
Et les deux dernières, vous les avez vues tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi. J'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Normalement, j'ai pas besoin de... Ah, mais c'est vrai que ça brûle ici, en flûte. Ah, attendez. Parce que la dernière pièce rouge, elle est là-bas, vous l'avez vue. Et j'aimerais bien la choper, celle-là. Par contre, comme c'est de l'eau gelée, je crois que... Ouh, dis donc, petit masque-casque, là. Parce que, ouais, je vais pas pouvoir l'avoir comme ça. Oh, merde, je vais pas pouvoir l'attraper comme ça. Bah oui. Voilà, j'y vais vite. Loul. Oh, quelle andouille. Mais je voulais récupérer la pièce, mais c'est vrai que c'est un ennemi. Oh, encore un fail de ma part, hein. Décidément. Comme quoi, vous voyez, en une vidéo, vous voyez, je fais le skill man, voilà. Et juste derrière, bah, je vous fais des fails à gogo, hein. C'est tout moi, j'ai envie de vous dire. J'avais des chopes là, celle-là, là. Voilà, merci. Au moins, je l'aurai direct. Donc, oh putain, mais tu me casses les pieds, toi. Chaque fois, je crois que c'est une pièce, mais non, c'en est pas une. Ah, c'est pas possible. Bon, voilà, 3. Du coup, là, tu te foires pas, merci. Voilà. Hop. Tu vas me reprendre cette carapace, s'il te plaît. Et maintenant, tu ne te foires plus. Allez, 5, 6, 7. Ce coup-ci, on se foire pas. Et tu me chopes celle-là là-bas. Et 8. Eh ben, dis donc. Au moins, on l'a eu. Attention, Mister Ampla. Je l'ai vu. Où est le... Il est là. Elle est là, mon étoile. Parfait, on passe à 80. Très bien. En conséquence, de cause, je vais vous dire, on va pouvoir enchaîner avec l'étoile numéro 6 et même l'étoile des 100 pièces, hein, parce qu'il faut la faire aussi. Donc étoile numéro 6 dans l'igloo, c'est parti. Alors, avant toute chose, on va faire l'étoile des 100 pièces, hein, ça va être obligatoire aussi. Oh, c'est chiant ce truc. Reste là du con. Donc il est... Mais allez, m'a poussé. Voilà, merci. Parce que ce truc-là, voilà, ça donne plein de pièces. Par contre, ça tombe dans tous les sens, donc c'est chiant pour tous les choper. T'as voyé la pièce où est-ce qu'elle a atterri? Vous avez vu ça? Hop. Tac, tac, tac. Alors je sais plus, par contre, je crois que c'est l'une des étoiles des 100 pièces les plus dures à avoir, je crois, hein, celle-là. Je crois. Peut-être que je me trompe, mais je crois. Hop, parfait. On passe à 15. Alors ensuite... Peut-être, sérieux, le bonbon, je l'ai même pas encore vu. Je l'ai pas encore croisé, je suis même pas où il est. Toi. Merci. J'adore les Lycomascas qui a bugué, là. Ah, attention. Oh, Mario, s'il te plaît, arrête de glisser. Très gentil. Merci. Hop là. Ok, on passe à 20. Toi. Voilà. Vas-y, chope-le. Très bien. 23. Bon, le gros moche, je m'en fous, il me donne rien. Attention. Hop là. Moi, je l'ai eu, celle-là. Oh, elle est belle celle-là. Oh, je l'ai bien eu lui. Ok, 29. Ouais, il me semblait bien qu'il y en avait un encore là-bas. Donne-moi la pièce. Voilà, très bien. On passe à 30. 32. 33. Allez, vas-y. 34. 35. Ça va être chaud. 38. Alors, normalement, les Mister Blizzard, je crois qu'on peut les tuer aussi. Hein, avec un petit tourbillon. Je crois. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, ils ont le tournis et du coup, ils perdent l'équilibre et ils tombent. Ok, je passe à 41. Alors là-bas, il y a des pièces aussi. Bon, je ne vais pas les récupérer pour l'instant. Par contre, je crois qu'il y en avait dans l'eau, là. Hein. Là. Non. Il n'y en a pas dans l'eau.
Mais ça avec eux, je crois, alors. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Remonte. Remonte. Non, remonte, Mario, s'il te plaît. Fais pas ton couillon. Ok. Alors maintenant, toi, bam. Tombez pas dans l'eau, tombez pas dans l'eau. Tombez pas dans l'eau, voilà. Boum. Parfait, très bien. Alors, toi, voilà. Il faut que je remonte là-haut, hein. Ça c'est obligatoire. Pour surtout choper la carapace qui va me permettre de choper quelques pièces ici et là. Hop, 51, 53, 55. Reviens, toi. Que je te... Oh là là, que je te tourne autour. C'est bon? Ouais, c'est bon, il a perdu l'équilibre. Merci pour tes pièces, j'ai tout eu. C'est bon, j'ai tout eu. Est-ce que tu peux redescendre? Tu peux me choper celle-là, voilà. Comme ça, on passe à 60. Bon, l'étoile là-bas, à ne pas récupérer, hein, surtout. Par contre, toi, tu me redonneras rien, normalement. Hein. Fait, ok. Donc l'igloo, il est là, hein, le voici. Par contre, 32 pièces qui me restent, j'espère qu'elles sont toutes là, quoi. Non, je veux que tu... Voilà, que tu rentres dans l'igloo. Voilà. Contre 32 pièces, ça me fait un peu peur, je vous le dis. Hop. Alors, 71. Ouais, il y en a des pièces ici. Ouais, surtout là-bas. Hop, 74, ouais, là-bas, il y en a plein. Il y en a plein. Hop, 75. Alors, vous avez vu, l'étoile est au-dessus, hein. Vous l'avez vu. Hop. Et pep, donne-moi ça. Merci. Ah, mais il est là, là. Tu es là, toi. Par contre, ouais, moi, c'est ça que je veux... Aïe, aïe, oulala. Couillon. C'est point grave. Hop, parfait. 79. J'adore tous tes prisonniers dans la glace. Hein. C'est beau, mais c'est comme ça. 80. 83. Voilà, et c'est avec ces pièces-là que je vais avoir le tout. Par contre, pour avoir ces trucs-là, il me faut le bloc d'invisibilité qui se trouve là-bas. Comment je le chope celui-là? Je ne sais plus. Ah, c'est par au-dessus. Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu montes au-dessus, Mario, s'il te plaît. Merci. Ah, descends. Non, descends, 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 descends. Lâche. Pète-moi ça. Voilà, et maintenant que tu es invisible, tu peux me choper tout ça. Voilà, ce qui me permet de choper l'étoile des 100 pièces ici. Mais également l'étoile qui se trouvait juste là. Voilà, impec. C'est bon ça. Et au moins, j'en gagne mes vies perdues. Voilà, et ce monde 10, c'est terminé. On va pouvoir passer au monde 11. Vu qu'on est qu'à 20 minutes, on a le temps. Alors, le monde 11, il est juste ici. Il s'agit du monde trempé séché, que j'aime pas non plus. Et on commence avec le niveau 1, mini plateforme séchée. C'est parti. Alors, petite particularité pour ce niveau. Vous voyez que là, ici, le monde est inondé. Mais cela est tout à fait normal, puisque en fait, pour accéder à ce monde-là, il me faut... Enfin, selon à comment je rentre dans le niveau, je vais y arriver. C'est là où il peut y avoir des petits changements au niveau de l'eau, principalement. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir baisser la hauteur de l'eau. Alors, le but pour moi, parce que je vais y arriver, voilà, c'est de monter là-dessus.
Attention à pas tomber, quand même Mario s'il te plaît. Je me suis foiré. Je pensais qu'il allait faire son long saut, mais non, il l'a pas fait. Petit con. Alors on refait la même. Évidemment, il va pas réussir à remonter. Si, voilà, très bien. Allez, vas-y. Voilà, puisque le but, ouais, si vous n'avez pas compris, en fait, c'est... Je vais faire le truc legit, au pire. Voilà, c'est de passer de plateforme en plateforme. Voilà, pour atteindre cette plateforme-ci. Et c'est sur cette plateforme que se trouve mon étoile. Que j'ai récupéré de ce pas. Parfait. Ah, je suis bon, là, aujourd'hui. Je suis bon. Allez, on enchaîne avec le niveau suivant. Sur les toits. C'est parti. Alors par contre, là, ouais, j'ai fait une petite bêtise. Bon, c'est pas très grave. J'aurais dû faire comme tout à l'heure et monter... et inonder le truc. Parce que là, du coup, pour remonter, ça va pas être du luxe. C'est moi qui vous le dis. Ouais, parce que comme ça se passe sur les toits, mon but à moi, ça va être de monter. Sans se brûler, bien sûr. Ah, elle a pas réussi. Mario. Pourquoi t'as pas réussi à monter? Elle arrive pas à monter. Bon. T'arrives pas à monter, pourquoi? Ah, bon, c'est pas grave, je vais monter autrement. On va faire autrement. Oh, même là, t'arrives pas à monter, t'es sérieux? Mario, t'es sérieux là? Ah, mais t'es sérieux, Mario, t'arrives pas à monter là? Allez! Oh, elle arrive pas à monter! Oh, je rêve! Parce que mon but c'est de monter là-haut, hein, donc. Au pire, je vais faire comme ça peut-être. Voilà. Ce sera peut-être mieux ainsi. Non! Oh, il a glissé! Voilà, merci. Voilà. Et le but pour moi, voilà, ça va être de passer là, de monter sur cette planche et d'aller jusqu'au bout de la planche. Sans me faire toucher, parce que là, si je me fais toucher, c'est fini. Hein, parce que je n'ai plus de vie. Voilà, surtout, ne pas tomber. Très bien. Ah, attention, ne pas se faire brûler non plus. Voilà, parfait. Puisque c'est là que se trouve mon étoile. J'ai eu très chaud. Très très chaud. Mais c'est passé. Parfait. Allez, on enchaîne avec le niveau suivant. L'énigme des chiffres cachés, c'est parti. Alors pour ce niveau là non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Tu vas me descendre s'il te plaît. Là, voilà, si tu vas m'activer ça. On va vraiment tout faire descendre l'eau jusqu'en bas. Ah, j'aurais aimé vraiment que tu me fasses descendre vraiment tout en bas là. Ça, tu me le fais pas là. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ce n'est point grave, tant pis. Voilà, ici vous avez un bloc. Voilà, bon là on l'a pas vu, mais il y avait un 1 qui est apparu là-bas. Hein. Donc c'est tout à fait normal. Alors normalement, ici il y a le 2, mais le problème c'est que l'eau est trop haut. Il n'y a pas un autre bouton faire descendre l'eau tout en bas. Attendez, il va y avoir un autre bouton, non? Pas un autre losange dans le coin? Si, là, toi, voilà, tu me fais descendre l'eau tout en bas. Voilà, très bien, comme ça, ça me permet d'aller là-bas tout au bout. Hop, vas-y mon petit chou.
Voilà, tu peux me pousser ça. Alors, je sais plus dans quel sens par contre, comme ça. Voilà, là vous voyez le numéro 2 là qui vient d'apparaître. Est-ce que tu peux me pousser ça? Tu peux pas le pousser encore? Si, vas-y, pousse-le, pousse-le. Allez, vas-y, pousse-moi ça. Voilà, très bien. Puisque normalement, voilà, ici vous voyez un bloc là-haut. Et ici, voilà, c'est le bloc numéro 3. Alors ensuite, alors par contre, faut que je me rappelle de où se trouvent les blocs, les nouveaux blocs là. Hein. Parce que moi, je ne sais plus à force. Non, tu peux pas. Voilà, monter là où merci. Active-moi ça. Parce que j'ai un doute là pour la suite. Où est-ce qu'ils sont les autres blocs? Alors attendez, je crois qu'il y a encore des blocs cachés. Alors en fait, je crois que s'il y a deux plateformes comme ça, enfin deux blocs à pousser et trois blocs jaunes à péter. Mais il faut que je me rappelle de l'emplacement. Parfait, là, c'est remonté, très bien. Attention à lui. Non. Voilà, je crois qu'il y a ce bloc là. Quand il s'est foiré, bien sûr. Bon, par contre, arrêtez de me jarter, les gars, s'il vous plaît, là. Ça m'arrangerait. Vas-y, reviens, toi. J'ai besoin de toi, mon coco. Voilà, merci. Par contre, dégage de là, parce que Mr. Amp, il va pas me lâcher, lui. Ah, raté, couillon. Voilà, voilà, le numéro 4, parfait. Attention, on va pas s'en faire avoir. Et normalement, le numéro 5, il est là-haut. Il est sur la cage là-haut. Alors, pour atteindre la cage là-haut, je sais plus la méthode. Non, non, c'est pas ça du tout, mon cher Mario. Oh, pourquoi tu te foires, là? T'avais pas de foiré, là. Oh, mais accroche-toi! Oh, vas-y! Je veux pas s'accrocher! Ah! Voilà, merci! Bon, mets-toi là si tu veux. Tu peux aller là-bas. Merci! Et maintenant, mon but, ça va être d'atteindre la plateforme là-bas. Voilà, parce que vous voyez, le truc est là-haut. Alors du coup, c'est pas comme ça qu'on fait, je crois que c'était comme ça, mais pas du tout. Ah non, c'est avec ça. C'est vrai qu'il y a un bouton, là. C'est plus rapide comme ça. Il est idiot. Il est idiot, voilà, parfait. Et voilà mon étoile qui apparaît là-bas. Non, c'était énorme parce que j'ai même pas activé le bazar. Enfin. Oh, 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 il est beau celui-là. Oh, il est beau celui-là. Le saut. Parfait, j'ai envie de vous dire. Parfait. Magnifique. Allez, je regarde mon chrono. On est même pas encore à 30 minutes. Je pense qu'on a encore le temps d'en faire une. On va encore en faire une. Allez, étoile numéro 4, l'ascenseur express. C'est parti. Alors, pour ce niveau de l'ascenseur express, le but. Déjà, première chose, il faut que l'eau soit tout en bas. Mon cher Mario, est-ce que tu peux nager? Merci. Je sais pas pourquoi il voulait pas nager. Enfin, bref. Excusez-moi. Et le truc, ça va être déjà de péter ça. Voilà, merci. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est monter. Monter sans se servir de la flotte. Pour ce faire, on va s'aider de ces bestiaux. Et évidemment, il s'est foiré, loul. Et relève-toi, Mario, s'il te plaît. Parce que j'avais besoin de toi pour monter, là. Petit idiot. Voilà. Très bien. Attention, attention, attention.
S'il te plaît. Très bien. Non, 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 non. Oh, oh, encore, oui. Vas-y, voilà, tu peux me faire ça si tu veux. Ça me gêne pas. Relève-toi, Mario, s'il te plaît. Merci beaucoup. Attention. Voilà, parfait. Et le but pour moi, je vais activer ce bouton pour remonter tout en haut. Allez, vas-y, 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 mon Mario. Voilà. Et vous avez vu que mon étoile est ici, dans la cage qui se trouve là, dans la cage de l'ascenseur. Et le but pour moi, ça va être de utiliser la plateforme ici, qui va descendre tout en bas. Voilà. Et le but pour moi, c'est de vite le prendre. Allez! Oh, je rêve! Oh putain, c'est raté. Bon. C'est raté! Oh là 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 là. Il s'est foiré! Oh, je rêve, il s'est foiré. Donc vous l'avez compris, hein, le but pour moi c'était de monter hein, sur l'ascenseur pour pouvoir aller directement au-dessus. Mais évidemment, il s'est foiré comme un idiot, ce couillon. Ah là là, Mario, Mario, Mario. Qu'est-ce que tu m'as branquillé là? Qu'est-ce que tu m'as branquillé? Franchement. Parce que oui, évidemment, une fois que vous avez pris l'ascenseur, voilà, celui-ci ne redescend pas, hein. Donc il faut pas se foirer. Et évidemment, moi comme un idiot, je me suis foiré. Non, descends. Descends. Non, descends. Mario, descends. Mais descends, mec, il est con. Non, attends, attends, remonte. Voilà, remonte. Voilà, il va remonter, il va redescendre. Oh, qu'est-ce que tu me fais là? Il va remonter tout en haut. Voilà. Tu redescends. Allez, descends. Voilà. Tu me descends. Mais c'est pas possible. Allez, monte là-dessus. Voilà. Non mais... Mais il a encore failli faire le couillon, hein. Ah, t'aimes bien ça? Oh! Est-ce que je peux prendre mon étoile? Est-ce que c'est possible? Oh, je rêve! Ma parole! La caméra, pareil, elle m'aide pas non plus, hein! Voilà! Enfin! J'ai envie de dire, enfin! Parfait! Bon allez, je regarde mon chrono, on s'approche des 35 minutes. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On a quand même récupéré pas mal d'étoiles hein, aujourd'hui. On en a récupéré combien là? 4 dans ce niveau et 6 dans le niveau précédent. Ça fait 10 étoiles pour aujourd'hui. Ma foi, j'ai envie de dire, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée et une bonne vidéo. Et une bonne vidéo. Allez, on s'arrête ici. Donc c'était Top Top donc, pour cette 9ème partie sur Let's Play de Super Mario 64. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, donc on continuera ce monde numéro 11 du temps en PC chez, on le finira même. Et on commencera ben, tout doucement le monde numéro 12. Voilà. Et en attendant, ben moi je vous dis... à la prochaine tout le monde! We'll be right back.